Ça a l'air mieux là. Au moins ça tourne. La 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 la. Allez, c'est parti. Et bonjour à tous, bienvenue sur Bacala Live, le live où on continue nos aventures sur Hogwarts Legacy. Le game of Harry Potter. Où hier, nous avons passé beaucoup de temps à farmer des trucs. Quoi? Et aujourd'hui, nous devons, sur la carte du monde, aller ramasser des caisses perdues dans la nature, certainement attaquées par des brigands. Et je pense que je m'étais mis là pour... Pour ça! Et ça, et franchement, c'est classe. Ça veut dire que n'importe où à l'extérieur du jeu, tu peux sortir sur la carte. C'est quoi ça? Ah, tu peux pas t'en approcher trop non plus. Faudrait pas abuser. Là, il y a les jardins. Guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie de... Ouais, moi aussi, je suis ravi de pouvoir esquiver le dialogue. Oh, oh, ça c'est classe. Oh, ça c'est cool. Pouvoir remonter sur le balai depuis l'eau. Revelio.
Revelio. Tentacule de Murlap. Oh, ça ressemble à une chaise de torture quand même. Et là, on a du sorcier maléfique. Et des loups. Ou alors on a juste un mec qui se balade et des loups. Ouais, c'est ça, un mec qui se balade et des loups. Si je ne fais pas attention. Bon. Ah, il y a une grotte. Je me demandais pourquoi il disait ça. Même les moutons, ils vont... Revelio. Général, il y a un stand avec un truc à poser dessus. Action. Lulu. Incendio. Revelio. Je devrais regarder ça de plus près. Action. Protego. Levioso. Repulso. Action. Levioso, action. C'est rigolo. Revelio.
Non, mais je suis allé trop loin. Je suis éloigné de ma caisse. Ah non. Ah, mais c'est parce que je regarde pas du bon côté. Bon. Je me disais, merde, je suis allé trop loin. Mais non. Pas encore. Je me demande qui vivait ici. J'ai déjà entendu des centaures plus vite que moi. Cette caisse de choux mordeurs de Chine est quelque part dans ce campement. À mon approche, les femmes gloussent comme sous les... Je t'ôterai la vie avant même que tu ne t'en rendes compte. Je veux bien croire que les femmes gloussent quand elles ouvrent ta tronche. Pas de soucis, j'y crois. Merde, le mec fait pipi à côté de moi. On est en live, gars. Prends un peu... Hein. Prends sur toi. Arrêtez un peu de baser comme ça. On croirait que vous avez mangé un verre à crasse. Les marchands de Préolard me connaissent. Malheureusement. Je devrais peut-être faire un tour à Feldcroft pour voir ce que je pourrais y braconner. Vitus, t'en t'as vu ça ? Pas c'est moi qui viens te chercher. Je me demande bien où vous allez. Vous n'avez jamais eu les idées claires. Si tu crois que... Révélio. Tu as abusé du whisky pur feu. J'avais du mal à porter mon butin au dernier vol. Je ne me suis pas... Vitus, dans ta leçon. De Merlin, j'ai entendu quelque chose.
C'est vrai? Je vois pas ce que c'est. Pendre par les entrailles? Quelle étrange menace. Le plus amusant quand on extorque, c'est d'utiliser le sortilège. Je commence à envisager de partir, de tous vous planter là. Vous n'êtes qu'une bande de charretiers ingérables, tous autant que vous êtes. J'ai des zones de chasse de prédilection. Petit Totalus. Je ne sais pas si je préfère tuer les créatures ou les dépecer. Moi, je sais ce que je vais préférer. Seront bien plus en soi. Revelio. Œuf de Doxy. C'est bon pour la première caisse. Plus qu'une à trouver. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Réparons. Revelio. Désolé, j'ai pas... Lumos, réparo. Revelio. Incendio. Réparons. Voilà, c'est réglé. On met le boost sur les épreuves de Merlin. Ça permet d'avoir plus de stuff sur soi. Ça, c'est cool. Toute beauté. Réparo. C'est le principal. Parier sur le combat de dragon, c'était le meilleur investissement de ma vie. Oh. Oh. Et ils sont des combats de dragon. Particulièrement hargneux.
Si tu veux mon avis, Poudlard a bien de la chance d'être entouré de sortilèges de protection. Petrificus Dentalus. Ah, c'est de la chance en fait, parce qu'en fait ils ont juste des grands sorciers quoi. Qu'est-ce que c'était? Un pétrifilum. Oh. J'avoue. Moi ça m'a fait rire. C'est fini pour toi. Une claque aussi, hein. Revelio. On a ramassé ? Si, il y a des petits coffres. Et confiance. Rose-moi. Oh. Il faut vraiment qu'on trouve comment on fait pour expertiser les trucs. Putain merde, il y en avait. Parce que mes lunettes habituelles. Dommage, il joue pas. Sando, ça a l'air d'être la vie quand même. Un petit combo. Ça m'intrigue. Est-ce possible? Une épreuve de Merlin? Revelio.
Protego. Leviosa. Action. Revelio. C'est étrange parce que en général les épreuves de Merlin elles sont assez bien équilibrées quand même. Et après, on s'y met sérieusement. Mais oui, je suis déjà sérieux, mais c'est plus drôle de dire comme ça. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Je pense que tu voyageais beaucoup parce que les gens en avaient marre de t'entendre parler. Cela doit mener à quelque chose de gros. Allez, à Twitter. Incendio. Pas compris, il a mis le feu au village, il allait voir le marchand, il était parti. Enchanté. Ah, pas compris. Bonjour, je suis Padre Cagarty et vous êtes dans ma boutique. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais vous poser quelques questions sur votre boutique. Bien sûr, avec plaisir. Que souhaitez-vous savoir? Pourquoi est-ce que vous les jeunes? J'ai entendu dire qu'il y avait une mine de gobelins non loin d'ici. L'avez-vous déjà visitée? Je n'y suis jamais entré. J'y trouverai probablement des sous-produits intéressants. Mais c'est trop risqué. Mieux vaut éviter d'énerver les fidèles de Ranrock. Depuis combien de temps habitez-vous à Arendelle? Toute ma vie. Ma sœur et moi avons grandi ici. Je suis resté, mais elle avait d'autres projets.
Parce que là, il y a les sorts, là, il y a la carte. Que proposez-vous à la vente? Je vends toutes sortes de produits de créatures. Elles m'ont toujours fasciné et la demande de sous-produits est forte. Je me suis dit que je pourrais en vivre. Dans les matières premières. Que proposez-vous à la vente? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Merci oui, pour nos votre profs. Confiance. Merci de votre visite. Incendio. Je pourrais me charger de tâches plus utiles que le guet. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Désolé, la poterie. Oh, j'ai pas vu ça. Les Viosos, action. Il est où, quoi? Revelio. Est-ce que c'est la chance ou est-ce que c'est par région les thèmes? Oui. Ah, c'est le caillou. J'avais oublié.
Oui, fatalement. Que me réserves-tu cette fois-ci ? J'en ai fait un mouton. Ah mais c'est celui où on s'est passé quoi ? Revelio. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Bon, vraiment pas ce qu'il te fait dire, ça. Ça va être un Findo. Je vais te faire reçu. Une seule vie. Que j'ai personne avec qui partager ma victoire. On va demander à deux. Ah oui, il n'y avait pas un qui m'avait dit tu préfères des duels avec d'autres. Pourquoi peut-être inviter des gens à venir faire du balai avec moi. Oui, un peu. Revelio. Ouais, je peux comprendre pourquoi ils ont pas mis le Quidditch, parce que le balai se manie quand même assez difficilement. Je me vois pas faire ça toute ma vie. Je pense qu'un jour. Des gobs. Bonjour, monsieur Ndiaye. C'est Edith Isselwood qui m'envoie. Oui, il m'a averti de votre venue. Vous avez les choux mordeurs de Chine ? Non. Pas encore, je regrette. C'est regrettable. L'idée d'Eddie n'est pas mauvaise.
Je ne sais pas combien d'attaques Feldcroft pourra encore supporter. Ok, tu m'as récupéré. Que proposez-vous à la vente? Que cherchez-vous aujourd'hui? C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Truc en attente. N'hésitez pas à revenir. D'abord, je m'occupe des caisses et des méchants. Je comprends pourquoi Feldcroft a besoin d'aide. Les fidèles de Ranrock se cachent près de Feldcroft. Ce sont sûrement eux qui ont l'autre caisse de Shoemorder de Chine. Je mérite mieux que la corvée de guet. Voilà, j'ai toutes les caisses de Shoemorder de Chine. Maintenant, je dois retrouver l'ami de Monsieur Thistlewood à Feldcroft. Ah, où je m'occupe des méchants. J'aime bien m'occuper des méchants. J'ai l'impression que je ne suis pas seul. C'est souvent vrai, d'ailleurs. Par exemple, on est plusieurs dans ma tête. Mais on le vit bien. Hein. Ouais, des fois, il y a Bruno qui s'énerve avec Jean-Jacques, mais... Il y a toujours Tivia pour lesquels. On dit de la merde, Baka, ce matin. Il se passe jamais rien. Petrificus Totalus. Il est trop tard pour te repentir de tes erreurs. On est trop tard. Il y aurait des trucs cachés au village. Encore aurait-il le phallus que je le suce. Lève-toi. Je peux passer. Je suis trop gros, c'est ça. Lui, c'était un fan de... Il a même une coupe. Il est même plus qu'un fan. C'est peut-être un vrai joueur. Bonjour. Vous m'apportez bien le colis spécial de mon cher. Rebonjour, monsieur Ndiaye. Content de vous revoir. Avez-vous récupéré les Shoemorder de Chine? Oui. Oui, ils sont juste là. Merveilleux. Ils permettront de mieux protéger le hameau contre les fidèles de Ranrock. Ces mêmes vermines qui, à mon avis, les avaient interceptés en compagnie du groupe de Rockwood. Feldcroft a une dette immense envers vous et Eddie. Merci de votre aide. Est-ce que vous savez pourquoi les gobelins attaquent Feldcroft? Aucune idée. Au début, je croyais que c'était pour son emplacement stratégique, mais on dirait qu'il cherche quelque chose. Mais pour être tout à fait honnête, je ne vois vraiment pas ce qu'ils peuvent bien chercher. Moi, je... C'est tellement un joueur de Quidditch. Comment vous vous êtes rencontré avec Eddie? On s'est connu à Poudlard. Depuis, on est amis, et désormais associés en affaires. Je n'ai pas été surpris de son hibou sur cette arnaque au Shoemorder de Chine. Il a toujours fait de son mieux pour venir en aide aux autres. Une arnaque? Mais de rien. Ravi d'avoir pu être utile. Enfin des renforts. J'espère que ça suffira. Réveillon.
Oh! D'accord, c'est le village qu'ils ont sauvé. Incendio. Action. Moi un peu? Non, jamais. Le pulso. Incendio.
Ah putain! Eh, mais je l'ai fait! Ça n'a pas marché? Ah, c'est son propre rocher. Fais-moi le caillou là. Ah putain. Ça marche pas. Ah, c'est trop tôt quand je fais. Putain, le timing. Revelio.
Alors, c'est quand même pas l'épreuve de Merlin qui l'ouvre. Forcément toi. Faut trouver le cube et mettre le feu. J'aime mettre le feu. Revelio. Rituel et l'énigme de Merlin, ça va me séparer de ses... Oh, voilà une agréable surprise. Action. Incendio. Action. Merlin lui-même aurait de quoi être. La pierre est là-bas. Là, il y a un coffre. Tant mieux parce que je viens d'en consommer pas mal. Incendio. Je devrais regarder ça de plus près. Ok. Mais tu dis pas qu'il faut faire attention aujourd'hui. Revelio. Ça aurait pu être marrant que la seule fois où ils disent pas faut faire attention, il y a un monstre. Mais... Lumos. La deuxième grotte, comme ça qu'on croit. Révélation.
Revelio. Revelio. Incendio. Lumos. Il est du Diablos. Revelio. Des nifleurs. Avec le tas d'or qu'il y a, sérieux, on peut faire que ça. Qu'est-ce que t'as vraiment envie? Les papillons, c'est un coffre. Qu'à suivre les ordres. Garde tes accusations pour quelqu'un d'autre. Pour éviter d'y renverser. Revelio. Allez, bouille. Il s'appelle Rio Lostros Debilos. Ça veut dire quoi? Ah, rien. Bon, on est de retour à la mine, c'est ça? On a fait le tour. Moi, je suis tellement imposant, je pète les caisses avec mes genoux.
Revelio. Des petits lapins, des lapounets. Ah, en fait, on est retourné en arrière. On n'a pas avancé. Regardez comment ça se faisait qu'on est retourné là. La mine, elle était là. Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Revelio. Par un popcorn. Ah, c'est quoi popcorn? On va pas tarder à le découvrir vu qu'on est dans la région où il y a un monsieur qui est mort à feu de popcorn. Revelio. Je ne m'arrêterai pas avant. Et vous surtout? Et des RT qui quoi. Allez la boule, allez la boule. Oh oui, c'est une bonne boule. Les Merlin ne me résisteront pas. Il y a le bout de boîte tout à l'heure. Je suis pas sûr. Peut-être ça un grappe corps.
Incendio. Ça m'intrigue. Cap ambitieux. Je crois qu'on a chopé des gants tout à l'heure que on pouvait enfiler qui était mieux. Oui, Bakaela. Est-ce possible? Une épreuve de Merlin? Ah oui, il y en a partout. On dirait que tu découpes. Ça doit être l'explosion, hein. Pour l'instant, je fais pas des explosions. Ouh, ils sont dedans. Action. Réveillon. Levioso. Action. Réveillon.
Action. Lumos. Expelliarmus, Incendio. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Est-ce que tu pues ? Revelio. La prochaine fois que je croiserai le fils de son élève, ils auront ce qu'ils méritent. Incendio. Ce camp. C'est toujours à moi de faire le guet. Est peut-être plus proche, tu y crois? Qu'est-ce que je donnerais pas pour une tasse de thé aux champignons? J'ai des champignons, si tu veux. On va faire du thé.
Revelio. Tu as l'air épuisé. Incendio. Je me bats depuis bien avant ta... Leviosa. Tu perds la main. Prévisible. Action. Incendio. Pas assez rapide. Action. Leviosa. Tu ne réalises pas. Avec qui tu joues? Tu ne mettras pas. Leviosa. Incendio. Je ne m'arrêterai pas avant de te tuer. Sont pas loin et je n'ai pas d'amis avec moi. Les Furso. Qu'est-ce que tu fais? Incendio. Incendio. Expelliarmus. Revelio. Comment ça, mes équipements sont pleins? Viens à peine de commencer! Une heure et demie! Bon, d'accord. Ouais. Ah ouais. Ah putain, les chapeaux de jeu, quoi. Cinquante points pour Bagel. Revelio.
c'est toi qui as libéré. Où est-ce qu'on est ? J'ai pas récupéré le TP de Felcroft, ça ? Si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. C'est un plaisir. Ravi de vous voir également. Comment puis-je vous aider ? J'ai rasé le village d'à côté, ça vous va ou pas ? Pourquoi avez-vous ouvert une boutique à Feldcroft ? Bel endroit, n'est-ce pas ? Même si j'admets que je ne l'ai pas choisi. C'est lui qui m'a choisi. J'ai grandi ici. Ça a toujours été mon chez-moi. Pour ce qui est de la boutique, on peut dire que mon métier m'a aussi choisi. J'ai toujours aimé travailler avec des créatures. Mes filles jumelles les adorent. Je ne serais pas surpris qu'elles me succèdent un jour. Jumelles ? Que vendez-vous ici ? Content que vous demandiez. Je vends les meilleurs sous-produits de créatures de toute la région. Si vous ne me croyez pas, allez jeter un coup d'œil ailleurs. Vous reviendrez, comme tout le monde. J'aimerais savoir ce qui se passe à Feldcroft. Avez-vous des informations à ce sujet ? La bonne nouvelle est que Belgruff le matraqueur a été tué, évidemment. C'est un énorme soulagement. Et pas moi ! Pas si un peu, mais... ...en noircelant de la sorte. Mais nous sommes heureux d'être débarrassés de lui. Nous avons vu bien assez de gobelins comme cela. Que proposez-vous à la vente ? Que cherchez-vous aujourd'hui ? N'hésitez pas à revenir. Revelio. Réparons. En théorie, il devrait y en avoir une par là. Revelio. Réparons. Et voilà, c'est réglé. Un château.
très imposant du temps de sa splendeur. Revelio. Levioso, action. Revelio. Je devrais regarder ça de plus près. Ça peut arriver. Revelio. Incendio. Rebellion. Ah!
Ah non, maintenant que j'ai compris comment on renvoie les cailloux. Faut juste pas aller jusqu'au stupéfixe en fait. C'est ça le plus dur. Revelio. Oh. Ton temps avec elle, camarade. Je l'ai vu plus attentionné avec un hors-glup. Revelio. Revelio.
Action. Revelio. Incendio. Action. Incendio. Action. Incendio. Vikingo. Repulso. Action. Incendio. Expelliarmus. Vikingo. Incendio. On a combien des comme ça? On veut bien me taper toute une armée, mais. Mais prévenez quoi!
Prépulsion. Incendio. Expelliarmus. Diffundo. Expelliarmus. Incendio. Action. Incendio. Action. Leviosa. Ça m'intrigue. Il m'intrigue, c'est comment il peut y avoir 50 araignées dehors et 0 dedans. Oh. Revelio. Ah ouais. C'est ce genre-là. 2 heures de live presque, je vais faire une pause. Tout va bien.